Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de chasse, une chasse un petit peu particulière et celle qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire celle de la chasse à l'approche. Une chasse qui a vraiment plein de ressources, on peut faire vraiment plein de choses, donc l'approche, l'affût, on peut rencontrer tout type d'animaux et ça c'est génial. Alors pour moi la chasse à l'approche déjà ça commence par quelque chose de très important, c'est-à-dire le repérage. Avec le confinement ça n'a pas été facile puisqu'on n'a pas pu y aller comme on voulait. Donc j'ai pu repérer déjà après le confinement quelques lièvres, donc ça m'a fait plaisir parce qu'on a vu que la population de lièvres était assez importante, elle était en train d'augmenter, donc ça fait vraiment plaisir. Quelques renards, quelques brocards et chevreuils. Un très beau petit brocard que j'ai pu rencontrer assez tôt. Un petit brocard de l'année, vraiment sympa. Et puis voilà, j'ai pu observer aussi quelques chevrettes. Alors on a commencé la chasse le 1er juin, j'y suis allé le soir. J'ai pas fait énormément de rencontres si ce n'est une petite chevrette. On a repéré un brocard un soir avec Valère qui nous semblait vraiment sympa à tirer. Malheureusement il était un peu loin, il commençait à faire sombre et dans la lunette on voyait plus grand chose. Donc ça c'était dommage, c'est un brocard qu'on a revu plusieurs fois mais qui nous a eu à chaque fois. C'est sûrement un vieux brocard. Ça nous a fait bien plaisir, on a profité à fond. Ensuite, on est arrivé dans un champ, une autre journée, après une petite matinée de pirche, et on a tout de suite repéré un renard. Donc Valère me dit qu'il est dans une cuvette, et en fait, on va essayer de l'approcher. On le repère, il bouge pas, et c'est assez compliqué. On essaye de l'appeler, mais il bouge pas, il n'est pas face à nous, il n'est pas de travers, donc c'est assez compliqué. On l'observe pendant plusieurs minutes et puis après on l'appelle encore. Et il nous regarde, mais assez hésitant. Donc on a attendu plusieurs minutes et puis à un moment il s'est mis de travers. Et donc j'ai pu tout de suite effectuer un tir. La balle est rentre juste derrière la tête et ressort de l'autre côté. L'animal n'a pas souffert. Bon bah voilà, petit tir d'un renard avec Valère. On est parti pour faire un petit peu d'approche ce matin. On a vu quelques sangliers, quelques brocards. Et puis là on termine par un petit renard. Un tir à une centaine de mètres à peu près. Donc pour nous la chasse au renard c'est vraiment important sur notre territoire parce qu'on essaye de faire monter le petit gibier. Bon bah voilà un beau petit renard, impeccable. Vu la tête, je pense que la balle est belle. C'est une balle qui ressort pleine tête. Bon, au moins un tir d'affût c'est fait pour tirer une seule balle et c'est le principal. On va faire quelques photos et puis en tout cas on aura passé une super matinée, j'espère qu'on aura encore d'autres aventures à vous faire partager au cours de la saison pour faire une super vidéo, mais ça commence très bien. Ensuite la saison a avancé, j'étais toujours à la recherche d'un brocard, vous verrez que j'avais pu en tirer deux, vous verrez la suite dans un prochain épisode justement puisqu'on va faire plusieurs épisodes. Arrivé une autre soirée. On a pu repérer sur la même zone où j'avais déjà tiré le précédent un autre petit renard, assez loin pareil, et j'ai pas une lunette qui m'a permis d'aller aussi loin. Je trouve que le tir n'est pas à réaliser, donc on essaye de l'appeler. Malheureusement on est à mauvais vent, et donc le renard prend la fuite, il nous voit tout de suite. C'est assez compliqué, mais c'est comme ça, c'est la chasse, il part, et puis voilà. Dans la même soirée, on a une chevrette. Au moment de repartir sur une autre zone, on a une chevrette qui est face à nous, à une vingtaine de mètres, qui arrive dans le maïs. Elle bouge pas,
Elle vit sa petite vie tranquille, donc ça c'est un super moment, on a pu passer une bonne demi-heure avec elle. Et c'était génial franchement. Elle est arrivée face à nous, on a mis des coups de butolo, malheureusement plus de place dans la carte mémoire pour montrer sa réaction, mais c'était juste magnifique. Donc pareil, ce soir-là on n'a pas vu de brocard, c'était compliqué niveau brocard, il faisait chaud. Et puis voilà. Un soir, j'arrive sur un mirador, on voit rien, rien du tout. Puis arrivé à la tombée de la nuit, on repère un petit brocard que j'avais déjà pu voir début de saison. Un 6, un jeune 6, mais avec déjà pas mal de hauteur. Et il nous a fait une superbe scène puisqu'il est rentré et il est ressorti avec deux autres chevrettes. Et il a commencé à courir, donc le rut était bien commencé. Ça nous a fait plaisir, on a pu profiter. C'est vraiment génial, même sans tirer, c'est quelque chose de top. La scène était magnifique, on avait un lièvre, un renard qui est passé au même moment, on a profité à fond. Et puis là arrive une soirée où je vais avec Théo sur une zone, dans une autre chasse, où j'avais repéré la veille un brocard. J'avais vu en poil d'hiver, donc ça me paraissait bizarre. Normalement c'est des brocards qui ont des déficiences ou qui sont un petit peu en retard, et c'est pas ce qu'on souhaite garder sur le territoire. Donc en début de soirée, on tombe directement nez à nez avec ce qui me semble être le petit brocard que j'avais repéré pendant cette saison de repérage. Et donc il mange tranquillement, j'aurais pu le tirer, mais c'est pas, je venais pas pour tirer celui-là. Et après il s'est assis pas loin de nous, sur la même zone. Et puis d'un coup on repère le brocard que j'avais vu la veille. Je pensais plus haut, un petit peu plus vieux. En fait c'est un jeune brocard, un jeune 6, toujours partiellement en poil d'hiver sur l'arrière. Et puis il s'est approché, la scène était magnifique, il y avait l'autre brocard derrière, malheureusement on ne la voit pas sur les vidéos. Il était curieux mais à la fois méfiant, il regardait quand même pas mal à droite, à gauche, il nous regardait nous. Je sais pas s'il sentait l'autre brocard ou s'il l'avait vu. Et puis il se rapprochait. Et puis on a décidé de le tirer et ça a été juste grandiose. On voit la réaction à la balle qui est juste incroyable. La balle est juste derrière l'épaule en fait et là on voit la réaction. Il fait pas pile, ce qui est normal pour une balle comme ça qui est limite cœur poumon. L'animal saute, il a une sacrée réaction et là je sais tout de suite que bon, la balle est bonne. Super moment. On va aller voir à l'Anchousse et puis on va suivre jusque dans le bois pour s'il y est de toute façon. Mais je pense que j'en tremble encore, plein d'émotions en tout cas. Donc on va suivre ça, on va aller voir sur le tir s'il y a du sang. Mais c'est sûr qu'il y en a vu comment il la réaction à la balle. Allez, on va voir ça. Du sang, bah, pour moi je les vois tomber à l'entrée du bois, je pense que on va aller voir, mais au moment d'arriver dans le bois, après on va longer le bois et là on se rend compte que pas d'animal, très peu de sang, très peu de sang. Et puis il y a un brocard qui, quand on rentre dans le bois, allez, à 20 mètres, qui décolle dans nos pattes. Donc là je me dis c'est compliqué. Et puis finalement non, Théo me dit ah, on va reprendre du début à la fin, on va reprendre comme il faut la trace et on va suivre. Et puis finalement, arrivé au moment fatidique, il était là, le petit prince était tombé et j'étais très heureux de ce tir. Donc c'était génial, la soirée était plus que parfaite et on a passé un moment de fou.
que je vous propose, c'est de nous suivre dans des prochaines aventures d'ici peu, dans de nouveaux épisodes, notamment celui de Théo où on essaye toujours de sortir pour tirer un brocard sur une super chasse, vraiment de la plaine, elle fait rêver. Donc on espère tirer un brocard cette semaine ou la semaine prochaine et après vous faire partager les autres épisodes. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour le référencement, c'est super important. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est des heures et des heures de travail. Et faut pas croire, on sort énormément pour arriver à avoir beaucoup d'images, à monter quelque chose de sympa. Donc mettez un petit like et partagez même sur les groupes de chasse, sur Facebook, Instagram, sur ce que vous voulez. Ça nous ferait énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon début de saison. Et j'espère que vous allez pouvoir vous amuser à la chasse, passer des bons moments. C'est vraiment le principal. Faites en sorte que la chasse soit mieux vue, c'est-à-dire de belles images. Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre balle. C'est plein de choses qui font que la chasse est mal vue de nos jours. Et il faut tout faire pour que ça avance. Donc j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne saison. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour partager vos prélèvements, vos sorties. Un petit moment, ça nous fait super plaisir. Pourquoi pas faire une vidéo avec tous vos moments partagés? Ça sera vraiment quelque chose de top. En attendant, j'espère que toute cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures.